eux, n'ont pas encore gagné la Coupe de France, mais chaque année, ils y réalisent un beau parcours. Le club amateur d'Hombourg-Haut est en train d'écrire une très belle page de son histoire. Après être passé par les championnats district encore récemment, les Spartiates viennent de décrocher leur place en Régional 1 la saison prochaine. Et le 17 juin, ils joueront une finale de Coupe du Grand Est, portrait d'une équipe qui n'en finit plus de grimper, avec Didier Bert et Cyril Provost. Un club amateur jusqu'au bout des crampons. Et dans les vestiaires, cette fin de saison rime avec sourire et décontraction. Hombourg-Haut joue en Régional 2, la 7e division. Surnommés les Spartiates, ils veulent surtout garder un esprit convivial. Chez nous, c'est très familial en fait. C'est, sans dénigrer les autres clubs, c'est très familial. Nous, on est une grande famille. On essaie de réunir au maximum les joueurs pour, en dehors de la partie football. Une bonne humeur et des retards excusés, car la saison réalisée par les Hombourgeois est impressionnante. Fin octobre, ils perdent avec les honneurs face à Sochaux au 7e tour de Coupe de France. Et en championnat, avec 2 défaites en 20 matchs, les Spartiates sont assurés de monter en Régional 1 à l'issue de la saison. La réussite, elle est due au travail. Au travail, comme je dis, depuis de nombreuses années, on est obligé. On a un club, tout le monde nous regarde, tout le monde nous attend. On sait que tous les week-ends, toutes les équipes veulent nous taper. Et ça fait qu'on doit se forger un mental de vainqueur. On arrive à passer les paliers sans nous se poser des questions, parce que pour nous, ça devient une habitude en fait de gagner. Cette habitude suit le club d'Hombourg-Haut depuis plusieurs années. Encore en deuxième division de district en 2016, le club mosellan a rapidement grimpé les échelons pour monter de 4 divisions en 7 ans. Ali Dehada, joueur des Spartiates et ancien président, a connu cette folle ascension. Nous, on le savait qu'on n'était pas à notre place lorsqu'on était en deuxième division de district. Hein. On savait qu'on avait le potentiel pour jouer au-dessus, déjà au moins au niveau ligue. Donc on a fait le nécessaire pour faire revenir un petit peu les talents de la ville au sein du club. On a essayé de se structurer au maximum. Le club d'Hombourg-Haut s'est aussi construit une réputation grâce à ses parcours en Coupe de France. En 2019, les Mosellans ont réussi l'un des plus grands exploits de la compétition, en battant Auxerre, alors que 6 divisions d'écart séparaient les deux équipes. Cette saison, les Hombourgeois ont encore tenu la dragée haute à Sochaux, une magie de la Coupe qui se perpétue. Aujourd'hui, on va peut-être banaliser, se dire que voilà, c'est devenu une formalité à chaque fois qu'on joue en coupe ou qu'on va jouer des adversaires hiérarchiquement supérieurs. Alors que non, comme je vous dis, hein, avant tout, c'est un supplément d'état d'âme, un supplément d'effort, un dépassement de soi qui fait que souvent on y arrive. Pour terminer la saison encore plus en beauté, les Spartiates ont une dernière bataille à remporter. La finale de Coupe du Grand Est, le 17 juin face à Épernay. Hombourg-Haut, un club amateur qui s'autorise le droit de rêver toujours plus grand.